Je viens d'avoir fait un petit parler de dossier qui a rapport avec entrée illégale par bord ici aux États-Unis. Ça nous est illegal border crossing. Et nous avons en fait l'actualité dans le moment là. Nous avons appelé que dans le week-end là, Harris obligé à la frontière là. Hier samedi, il y a un chiffre qui sortit. Nous avons comprendre l'ampleur de la parler d'entrée illégale dans le pays. Et ça m'a en cadre, bien entendu, élection qui va dérouler là. Nous, on dit nous presque, nous pas nou, dans 6 semaines encore là. On dit nous, 5 semaines de l'élection. Et by the way, si que vous êtes intéressé avec le travail en affaires, il est vraiment important pour que vous restiez connecté, soit suivre nous sur TikTok, ou follow nous Facebook, ou subscribe. Guys, on essaie de comprendre. Encore une fois, on a venu avec de ces statistiques. Les statistiques sont claires. Population américaine n'a pas d'en jouer avec causer ça. Je tiens à ce qu'il faut bon rigueur. Sur question de sécurité, la Bible dit que n'importe qui, si vous voulez président, vous avez besoin de monde qui vous offre sous frontière là. OK? Et pour cela, les démocrates ont gagné pour vous laver, pour vous lever pied. Et vous commencez à faire, bien entendu. Mais l'unité dans perception, c'est que c'est le trompe qui a fait. Et, dernièrement, je vais expliquer, nous, la vérité, dans le moment où je parle avec moi, je dis à ce 29 septembre, chiffio, Kounye là, on parle avec nous là, il a montré que quand il y a des gens qui traversent les frontières de manière illégale par jour, il plus bas qu'il était dans Trump. Il faut dire que le chiffre n'est pas toujours comme ça, le chiffre ça va venir. Après des mesures extrêmes, l'administration, Kamala Harris et Biden prend, et lundi là, je dis à ce dimanche 29, lundi, il y a qui a dit ça là, fait des dossiers, ça va faire beaucoup plus rigide. Ça veut dire, dans le moment là, on parle avec vous là, depuis que nous traversons au moment de l'asile, vous ne pouvez pas nous parler comme ça, vous juste vous aller. Vous êtes très strict sur ça. Maintenant, on regarde. Il faut nous dire, guys, le dossier, ça est vraiment important. Et c'est vrai que nous avons quelques semaines d'élection, mais les gens ont véhiculé dans les médias capables de faire ou de paraître l'aide. Dernier chiffre qui sortit par ici, ils ont montré, attendez bien, ils ont montré. Gain. So, gain à peu près 13 000 immigrants qui traversent les frontières qui commettent homicide. OK? 13 000 immigrants qui sont convicted of homicide. OK? Et maintenant, ça vous comprendre tout de suite. Et c'est ça. Et Trump tape pas, il dit, mais nous avons 13 000 criminels dans le pays, Kamala Harris entre tout. Il dégage ça, vous comprenez, information importante, il faut combattre véhiculer. Si ça au bas là, c'est un chiffre qui rassemble des données pendant plusieurs décennies. Ça veut dire, vous prenez des données de là sous Clinton, Obama, sous Trump tout. OK? Donc, la vérité, ce n'est pas un chiffre simplement pour l'administration Biden, Harris, Kamala. OK? Et on dit que IC directeur, là, niveau est donné ça, donné de collecter en juillet. Et donc, il clair, il dit, donné ça, vous voyez, il y a des gens qui misinterprètent. Il parle de, c'est des données qui datent près de 40 ans. 40 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, Biden fait seulement 4 ans. Donc, il y a tout, attendez bien ça au bas là. Et pour une bonne petite donnée, en 2016, DHS inspecteur général rapporté qu'il était gagné à peu près 368 000 criminels immigrants. Est-ce que vous comprenez? 2016. Yo di yo rapote te gen 368 000 kriminal imigran ki pat nan men Ayisyen. E so kompren? Lòk sou ason vou di ke Trump ap itilize donè yo jan vle sou montrou ke tout bagay se il a gen yo sou kont administrasyon Biden nan. Mèdan, pabliye ke l'itilize platform, la forme qu'elle crée, elle utilise Twitter tout pour le véhicule. Donc, les démocrates ont pas le gain pour combattre ça. Parce que
Des fois, dans l'élection, entre mentir et vérité, qu'on ne pas une différence. Il tellement qu'on ne pas une différence. Comment imaginer qu'on ait essayé de monde? Des gens ne vont pas penser, bon, je vais publier une vidéo sur ça qui dit, bon, oui, ce camarade-là, il parle pas blanc, oui. Papa pas noir. Ils sont blancs. Et argument que vous parlez sur ça, vous dites, papa, c'est ton blanc. Je ne sais pas comprendre. Je ne sais pas comment vous êtes. OK? So, son bon bail, vous va comprendre. Donc, ce que vous dites, guys, véritablement, dit, limite, yo, très flou dans la communication. Et le plus souvent, c'est le monde qui parle de plus là, qui arrive à véhiculer le plus, mettre de tous côtés, n'importe menti, est capable de transformer la vérité. OK? À ce moment d'adieu, il devait tout que Obama pas citoyen américain, il va faire une meilleure. Mais vous continuez à dire, continuez à dire. Et puis, vous faites passer vos vérités. OK? So, donc, ça, c'est un point important. Et justement, que Kamala Harris n'a joué qu'à Vinlayo. Et pour lui, clarifier, clair. Et comprenez bien, oui, je dis lundi à tout, il y a pas l'empile de l'immigration ces derniers jours. Je voulais montrer mes positions sur l'immigration. Mais ça nous fait. Mais ça nous fait maintenant. Faut qu'on d'accord que. Qu'effectivement, border crossing, ça veut dire quantité de monde qui traversait, il a augmenté sous l'administration Biden. Mais c'est combien de monde Biden déporté? C'est là que vous comprenez le chiffre là. Biden déporté plus de monde longtemps que Trump. Le chiffre est clair. Oui. N'est pas 10 fois plus de monde que Trump. Oui. Mais on peut peut-être que ça passe là. S'il déporté n'est pas 10 fois plus que Trump, comment se fait-il que. C'est la vérité. C'est que, on est dans une situation côté que grand goût dans le monde a augmenté. Il y a plus de misère. Il y a plus de monde en difficulté qui part l'autre jour, qui part l'autre. On va essayer de traverser les frontières. Pour résoudre les problèmes de border crossing, j'en ai toujours dit, il faut qu'effectivement, ils adressent les problèmes économiques dans l'Amérique latine. Maintenant, pas souvent, elle a parlé, ces derniers jours, elle a parlé de bagarre immigration, illégal immigrant. J-Vance, Biden, J-Vance et Donald Trump mettaient focus sur Haïtiens. Qui ça chiffre ou montrer? C'est là important. Migrants qui ont rencontré sous frontière, nous avons une bonne idée pour comprendre entre vous et monter à la réalité. Nous avons parlé de chiffres qui sortent entre octobre 2003 à août 2024 à peu près. Nous parlons près de 600 000 qui sont des Mexicains. Approximativement 600 000, 600 000 et quelques Mexicains. Première position. Vénézuéliens ont gagné à peu près et 200 combien mille? On 230 000 comme ça. Guatemala ou gagne exactement 200 000. Cuba ou gagne dans les 170 000. Honduras ou dans 160 000. Colombie ou dans à peu près et 150 000. Équateur, 140 000. Haïti ou dans à peu près et là, regardez Haïti ou dans à peu près 130 000 comme ça. Ouais, jusqu'à ce qu'il est Haïti venu. Donc, nous devons Salvador un peu, nous devons la Chine et Pérou. Donc, c'est une façon pour montrer que, faut souligner ça, contrairement à ça, qui a véhiculé, depuis qu'on parlait de immigrants, on dirait tous ces derniers jours, depuis qu'on parlait de déportés. Notamment, pour tout le monde, on parlait de déportés, si c'est Haïtien, on a envie de déporter. Bon, si on a bien pour déporter, c'est pas nous avons envie de l'expliquer. Si on a bien pour déporter, quel monde pour déporter? Comment est-ce que vous comprenez? Si t'as gain pour le déporter, vraiment, oui. Des mouns, non, t'as gain pour le déporter, là. OK? Et là, on parle de déporter, mais toujours, tu fais mouns comprendre. Et nous, clair sur ça, m'expliquer nous, qui mouns qui au cas déporter, d'après la loi. OK? Et m'expliquer nous, même mouns qui n'ont plus de difficulté à qui devant le juge, bon, il laisse ça plus difficile pour déporter, parce que, faut pas qu'à prendre devant le juge, là, pour le déporter. Laisse ça comprendre. C'est une bonne aberration, mouns, à faire comprendre. Faut pas qu'à prendre devant le juge, là, devant le juge. Le juge, qu'est-ce qu'il va laisser sous lui? Ou pas qu'un président dit, vous m'en avez pas le prendre devant le juge. Son bon voie est monté, ça cap fait. On parle de monde qui devant, beaucoup même parle de monde qui peut qu'on devant le juge, non? Ok? Par exemple, monde qui vient sous visa. Donc, c'est pas ça pour dire, gen voie, grand pile voie est monté, confusion, dans j'en ai guillot, fait comprendre l'immigration, c'est un des choses. Donc, la réalité, ça pour mon retenue, c'est que, ne m'en parle avec vous là, border crossing, non? Lipiba, valide de border crossing par jour. Et puis, bah, que les trompes là. La vérité, chiffre montre que 6 sur 10 Américains
dit cause immigration son bagage qui est important. Il y a parlé surtout de cause moun qui a traversé, qui a traversé illégal la caillou. Qu'effectivement, vote yo pas terminer par ça. C'est ça pour nous comprendre. Il y a une nécessité pour que, effectivement, démocrate yo présente yo comme du gouvernement responsable et qui justement et qui fait comprendre que devant porte patronne des cailles et que au monde pas quand on vini vous comprendre sans contrôle va prendre et c'est message ça y a gagné pour vous et pas oublier que nous était pratiquement 5 semaines et il y a gagné pour montrer que yo capable aussi tough sous immigration mais tout en étant compréhensible Jean Obay d'autres programmes tant que humanitarian parole et HHP tant que DT et tant que TPS compréhensible puisque dans le pays il y a besoin main d'œuvre il y a besoin et entrepreneurs ont besoin de monde. Donc, c'est important pour noter, pour tes éclaircissements. D'autre part, et nous avons souligné que nous avons supposé live dimanche 29 là, nous n'avons pas capable. Nous avons fait effort pour nous avec vous demain lundi. Donc, sous base ça, nous allons aller, c'était un plaisir, guys.